Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sephora qui a été accusée de racisme anti-blanc. En effet, certains internautes ont relevé que dans Les Princes de l'Amour, la jolie brune n'avait eu aucun prétendant blanc. Pour eux, ça serait clairement du racisme. Sephora est sortie du silence sur Snapchat et elle répond aux critiques. Comme à son habitude, la princesse est très cash. Je vous laisse tout de suite avec ses explications. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Petite story du jour où je ne suis pas contente du tout. Parce que hier, on m'a envoyé des messages où il y avait écrit, bon ça, je m'en tape complètement l'anus. Mais en gros, non mais Sephora, comment peut être une princesse comme ça, elle parle en mode wesh wesh, etc. Et tout ça parce qu'il y a écrit les princes et les princesses qu'on doit venir en tant que duchesse. Moi, je suis pas une duchesse, t'as capté. Donc non, je parle comme je veux encore une fois et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Continuez de slide ma story ou de me regarder, ça me fait plaisir. Premier truc. Deuxième truc où j'ai reçu, on m'a envoyé des captures d'écran, genre pour moi c'est limite, on va dire raciste, mais vraiment raciste. Alors je vais parler français. J'ai reçu beaucoup de captures d'écran, de messages que les gens mettaient sur Twitter, etc. Et tout. Moi j'ai pas Twitter donc je regarde pas. Et en gros ça disait ouais, mais elle est sérieuse Sephora, elle a ramé que des renois dans l'aventure, etc. Et tout. Ou genre un autre truc raciste, mais je sais plus trop c'est quoi, faut que j'aille regarder. Pardon. Ça, j'étais tellement choquée parce que je pense que tout le monde sait que moi, de toute façon, je suis pas raciste. Ma mère, c'est une Française marocaine et mon père, c'est un Antillais. Donc, dans tous les cas, je suis pas raciste. Moi, j'aime tout le monde. J'en ai rien à foutre. La couleur, c'est une couleur de peau. On est tous des frères et sœurs. Mais aller dire que j'ai ramé que des renois, ça, franchement, c'est haut. Alors, oui, j'ai ramé. J'ai demandé à la prod de me ramener que des renois. Voilà, des personnes de couleur. Parce que moi, j'aime bien. C'est mon style de garçon. Excuse-moi, si j'ai pas envie d'avoir recevoir un Charles ou un Pierre-Henri, c'est mon problème. Voilà. Donc, si je veux des renois, ouais, je veux des renois. Et alors, il est où le problème? Ils sont venus pour vous? Non, ils sont venus pour moi. Donc, moi, j'aime bien quand il y a de la couleur à la télé et de la diversité. Tout le temps, les mêmes gueules, je commence à en avoir à le cul. Donc, oui, moi, j'ai demandé d'avoir des renois. J'ai même demandé d'avoir des rebeux. Maintenant, je fais ce que j'en ai envie. Si j'ai pas envie d'avoir recevoir des babtous, j'ai pas envie de recevoir des babtous. Voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Si moi j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est tout, c'est mon style. Non, vous vous rendez compte ou quoi? Sephora, elle a demandé que des renois. Et alors, wesh? Mais et alors? Mais non, mais je suis là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah vas-y, elle a dit babtous, c'est Sisra. Ouais, arrêtez vos pacotis là. Quand vous êtes là à dire, ouais, ramène que des renois, ça c'est aussi, c'est raciste. Bref, tout ça pour dire que vous n'avez pas fini d'en voir parce que dans tous les cas, il y a que ça. Voilà, renois et rebeuf. Je suis très contente. Oui, oui, madame. Et si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait un programme où j'aurais mis que des renois et des rebeux. Ça aurait été de la vraie télé aussi. À un moment donné, je vais bien être gentille, mais le goût, les couleurs, ça ne se discute pas, ma chère et mon cher.